Salam alaikum, faire une vidéo rend diro un exercice à la dissolution et la concentration en l'air. Exercice. L'eau oxygénée utilisée pour décontaminer les lentilles de contact contient 3% en masse de peroxyde d'hydrogène de formule H2O2. Cela signifie que 100 g de la solution contient 3 g de peroxyde d'hydrogène. Le pourcentage ou le pourcentage massique de peroxyde d'hydrogène dans la solution. C'est-à-dire, il y a 100 g de la solution, nous avons dans la solution 3 g de solétyl et le peroxyde d'hydrogène, et le reste, c'est le solvant. On considère un flacon de volume V est égal à 360 ml de cette solution d'eau oxygénée. La masse volumique de la solution est 1 g par millilitre. La question, calculer la concentration molaire en peroxyde d'hydrogène dans la solution d'eau oxygénée. Correction, la concentration molaire ou bien la molarité. La concentration molaire est le nombre de moles de solité dissous dans un volume de solution donné, exprimé en litres. La loi de la concentration molaire, C, est égale à N solité, c'est-à-dire le nombre de moles de solité ou bien la quantité de matière de solité sur le volume de la solution. La concentration molaire, C, est exprimée en moles par litre. L'unité de la concentration molaire, C, est à moles par litre, souvent abrégée en M. M, donc, soit mol par litre l'unité, ou bien juste le M, M enta molaire. Mais je n'ai pas la concentration, je n'ai pas le nombre de moles de solité. Le nombre de moles de solité est égal à la masse de solité sur la masse molaire de solité. Le solitif, l'exercistana, est le peroxyde d'hydrogène, H2O2. N solité, menta NH. H2O2 est égal à MH2O2 sur la masse molaire de H2O2. Mais je n'ai pas la quantité de matière ou bien le nombre de moles de peroxyde d'hydrogène, je n'ai pas la masse molaire de H2O2. La masse molaire de H2O2 est égale à 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus 2 fois la masse molaire d'oxygène. La masse molaire d'hydrogène est égale à 1 g par mol. Et la masse molaire d'oxygène est égale à 16 g par mol. La masse molaire de H2O2 est égale à 34 g par mol. Hasbna la masse molaire et prenons nhasbou la masse de H2O2. Bach nhasb la masse de H2O2, lazm nhasb la masse de solution. La masse de la solution. L'exercice me donne les données suivantes. Me donne le volume de solution est égal à 360 ml. On me donne la masse volumique de la solution est égal à 1 g par millilitre. Ben, je n'hésite la masse de la solution. On utilise la loi suivante. La masse volumique de la solution est égale à la masse de la solution sur le volume de la solution. On charge la masse de solution. La masse de solution est égale à la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. Des applications numériques, la masse volumique est égale à 1 g par millilitre. Le volume est égal à 360 ml. Donc, la masse de la solution est égale à 360 g. On a la masse de la solution, mais on a la masse de solitil, ou H2O2. La masse de solution, 360 g, on a la masse de solitil, ou H2O2. La masse de solité H2O2. L'exercice maintenant, la masse de peroxyde d'hydrogène représente 3%. Ou je maintenant, la solution Kemla est le 100%, M ou la masse de solité H2O2, il me semble 3%. Utilisez la règle de 3, je n'ai la masse de solité, la masse de H2O2. La masse de H2O2, est égal à la masse de solution fois 3 sur 100. La masse de H2O2 est égal à la masse de solution fois 3 sur 100. De l'application numérique, 360, liée à la masse de solution, fois 3 sur 100 est égal à 10,8 g. Donc, c'est la masse
de solité ou là il y a la masse de H2O2. Donc on peut calculer le nombre de moles ou la quantité de matière de H2O2. La quantité de matière de solité H2O2. Nous allons écrire la loi NH2O2 est égal à la masse de H2O2 sur la masse molaire de H2O2. La masse molaire, nous avons calculé la masse de H2O2, nous avons 10,8 grammes. Dire application numérique. 10,8 sur 34 est égal à 0,317 mol. Il y a la quantité de matière ou le nombre de mol de H2O2. Donc, on peut calculer la concentration molaire. Vous savez, la concentration molaire C est égal le nombre de mol de solité, les H2O2, sur le volume de solution. Le nombre de mol de solité, c'est volume de solution donné dans l'exercice. Maintenant, le volume de solution est égal à 360 ml, est égal à 0,36 litres. Laissez-moi changer le millilitre en litre parce que vous n'avez la concentration molaire et le nombre de moles de solité dissous dans un volume de solution donné exprimé en litres. Laissez-moi le volume exprimé en litres, mais je ne peux pas en millilitres. Dire application numérique, nombre de moles de solité sur volume de solution, 0,317 sur 0,36 est égal à 0,88 moles par litre. Donc, soit que C est égal à 0,88 moles par litre, soit que C est égal à 0,88 moles.